Eh bien salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de Tomb Raider Legends sur PlayStation 3. Donc rappelez-vous, on était arrivé d'une manière on va dire peu distraite, on va dire discrète plutôt, donc dans un ancien laboratoire secret soviétique où se trouve donc Amanda et aussi le fragment d'épée qu'on recherche. Donc justement, bah on va continuer notre route en faisant tout le tour de la salle parce qu'on peut pas passer par la porte principale. Hein. Donc on va devoir passer... Bon, magnifique saut buggé pour commencer. Donc passer par les conduits d'aération. Donc, bien sûr, un peu d'escalade s'impose. Bon déjà je vous le dis, ça va être un petit peu plus intéressant déjà cette partie du niveau. En tout cas moi je trouve. Alors c'est ici qu'on a un petit trésor à récupérer. Ouais, nickel. Donc on va pas l'oublier quand même. Petit trésor de bronze, ça fait pas de mal. Bon bah maintenant, il faut quand même revenir en haut. Là, on va encore utiliser, utiliser notre grappin pour passer au-dessus du feu. Là, elle doit avoir chaud au cul, notre Lara. C'est le cas de le dire. Ensuite, on pète le ventilo. Bah maintenant, bah, on n'a plus qu'à pénétrer dans l'enceinte. Hein. C'est parti. Ça se rafraîchit. C'est sûr qu'il doit faire bien froid ici. Ah oui, alors là maintenant on a carrément des câbles dénudés, donc là on va éviter de se faire électrifier. Et là nous avons un cadavre. On dirait que tu as trouvé une autre tombe finalement. Je me demande ce qu'il fait là-dedans. Il essaie de sortir depuis les années 50, mais il est mort congelé le pauvre. Ce n'est pas une façon de mourir pour un scientifique. L'expérience a mal tourné. Le KGB a bouclé les installations. Il a voulu sortir par l'aération, mais il est resté coincé. Sympathique tout ça. Bon, on sait que le KGB était venu pour faire comme on dit le grand nettoyage, mais bon, on va en apprendre de toute façon un peu plus au fur et à mesure de notre avancée. Alors là il n'y avait pas de trésor, donc voilà, pareil, encore des câbles de merde. Il fait beaucoup plus froid ici qu'à l'extérieur. Bon, en même temps meuf, t'as plus ta doudoune. Donc c'est un petit peu normal que t'es froid tout simplement. Allez, on continue notre route. C'est vrai que c'est un peu le bordel ici. Oh, hop, 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 hop. J'ai pas voulu faire le saut que je voulais. Donc vous voyez, hein, faut vraiment éviter de se faire toucher parce que ça fait grave baisser notre vie. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de rebrancher le courant. Non. Je crois qu'il y a quelques appareils là-dedans qui ont besoin de jus. Le chauffage doit en faire partie. C'est clair. Encore un petit trésor des familles. On ne l'oublie pas. Maintenant, on va remonter là-haut. Si j'y arrive, voilà. Parce que là, faut aller de l'autre côté. C'est un peu chiant. Bon, là, je crois qu'on arrive ensuite dans la salle suivante avec justement un générateur. Ouais, c'est bien ça. Regarde les lumières. Elle n'a allumé que les générateurs de secours. Elle est entrée par les portes principales. Je crois pas qu'elle est venue ici. On dirait qu'il y a un générateur de l'autre côté de la salle. Elle l'aurait mis en route. Et ça, c'est ce qu'on va devoir faire si on veut passer par là, en fait. Parce qu'on a des portes automatiques, mais... elles sont pas, on va dire... comment dire... allumées, entre guillemets. Là, ici, nous avons d'ailleurs un plan. C'est un plan des installations. C'est très rétro. Ça doit faire sapin de Noël quand il y a du courant. C'est sûr. Alors avant de s'occuper de tout ça, on va quand même voilà, grimper ici pour récupérer et bah encore un trésor d'argent cette fois. On ouvre la porte et puis bah voilà, on récupère ce qu'il y a à l'intérieur, encore une fois dans une caisse. Hein. En fait 75% des trésors dans ce niveau sont dans des caisses, j'ai l'impression. Bon, je dis ça au pif bien sûr. Bon, on va grimper, on va aller derrière le générateur parce qu'en fait on a à droite de ce même générateur un tuyau. Avec une corde, donc on va bien sûr s'accrocher pour que pour qu'on puisse faire descendre ce tuyau et donc faire amener du carburant dans le moteur. Comme ça, on pourra ensuite bien sûr l'allumer. Ça devrait suffire. Et bah allez, c'est parti. On se met devant et avec le grimpin, le tour est joué. Bon, c'est vrai qu'ici sur cette version du jeu c'est un peu mal foutu parce que normalement le plan est censé s'allumer. Là on a juste les lumières, mais bon. On va dire qu'il est allumé quoi. Qu'est-ce que je t'avais dit?
Bon allez, les choses sérieuses vont commencer. Donc là, on a, on va dire un couloir à suivre avec des pièges. Faut surtout éviter de tomber, parce qu'effectivement, nous avons du gaz toxique. Donc on va quand même éviter d'aller dedans. Qu'est-ce que je viens de dire? Merci l'imprécision du joystick. Alors bien sûr, nous avons maintenant des arcs électriques à éviter aussi, parce que sinon c'est trop facile. Bon là suffit, voilà, de passer au bon moment, hein, rien de bien compliqué. Hop, là on va directement aller là. On va attendre que voilà l'arc soit un petit peu plus loin, et puis maintenant on se grouille avant qu'il y ait un autre arc qui vienne vers nous. Et dans la salle suivante, oui, on va rencontrer enfin Amanda, après toutes ces années. Enfin, si Lara le veut bien. Ce qui est... voilà. On va y arriver. Hey, c'est elle. Amanda? Bon sang, Lara, j'ai affaire. Tu as changé de look? C'était bien toi en Bolivie, avec Rockland. Je voyage partout, y compris dans des lieux dont tu n'as pas conscience. C'est toi qui restes sur la touche cette fois. Désolée. Je regrette, Amanda. Si seulement j'avais su, je te jure que j'aurais fait tout mon possible. Arrête. J'ai surmonté tout ça depuis longtemps. Tu sais ce qui m'a vraiment dérangée? C'est de voir... En sortant, vous n'aviez même pas essayé de... Oh, tu sais, le truc des archéologues. Ah, oui. Fouiller. À nos yeux, c'était ta sépulture. Bien sûr. Elle ne doit pas me suivre. Bah dis donc, elle a bien changé notre Amanda, hein. Plus très sympathique. Donc ici, nous avons effectivement un canon Tesla, hein, un engin un petit peu particulier. On va devoir s'en servir, parce que vous voyez, on peut... En fait, ça va servir tout simplement pour projeter des objets ou attirer des objets vers nous. Le problème, c'est que là, le canon en fait n'est pas chargé comme il faut. Du coup, bah on peut pas s'en servir pour amener en fait cette plateforme-là. Au niveau du gouffre ici, pour qu'on puisse passer du coup de l'autre côté. Du coup, bah, pour l'alimenter, on va devoir activer la tour Tesla qui est là-bas. Donc, on va y aller tout de suite. On va peut-être pouvoir combler là. Alors, bien sûr, nous avons des ennemis, sinon c'est pas drôle. Aïe! Faudra peut-être que je prenne une petite trousse de sang quand même après. Ah, mais. Ah oui, puis en plus, lui il a une mitraillette. Tiens, bouffe-toi ça, toi. Voilà! On va en profiter pour récupérer le dernier trésor de bronze du niveau. Et maintenant, bah, on va grimper là-haut. Alors, bien sûr, ici, il y a encore des arcs électriques. Tâche d'éviter ces arcs électriques. Bon, alors, je l'avais bien compris, ne t'inquiète pas. C'est de l'électricité statique. Si elle était en marche, tu le saurais. Et si j'étais le noyau, où est-ce que je serais? En haut. Allez, on continue. Bon, là, il suffit de sauter au bon moment. On va essayer d'aller au plus haut. Là, ça devrait aller. Regarde. T'inquiète, Zip. Là, par contre, non. Ouais. C'est un petit peu juste quand même. Surtout le dernier saut qui est un petit peu plus chiant, étant donné qu'on a déjà un arc qui va arriver. Bon, là, ça devrait aller. Attention. Ouais, c'est chaud, mais ça passe. Encore un cadavre. Un autre scientifique. Il n'a pas eu plus chaud que l'autre. Ils ont canalisé l'énergie Tesla dans l'artefact, et il y a eu une énorme décharge. Le KGB a bouclé les installations, retiré le noyau, scellé le laboratoire et abandonné les scientifiques qui n'ont pas été emmenés de force. Les événements ont pris une drôle de tournure. Tu l'as dit, Bouffy. Alors là, on va faire péter ce bidon pour faire péter la porte. Avec le dernier trésor d'argent. Donc vous l'aurez compris, hein, le dernier trésor à trouver, c'est encore le trésor d'or. On peut alimenter la tour d'ici? Donc là, ouais. Il n'est pas dans le coin. Je parie que c'est assez. Ça, cette porte, on va devoir l'ouvrir, mais il faudra amener, on va dire, un petit quelque chose pour alimenter la tour. C'est ici, des câbles non alimentés, hein, pour le moment, en tout cas. Pour l'instant, on s'en fout. Sinon, tu le sentirais passer. Ici, encore des gaz, bon, on va passer au-dessus tranquille. Hein. Et là, encore une autre salle de l'autre côté avec, avec ce qu'on recherche, tout simplement. Mais bien sûr, on a des messieurs. Non, c'est pas drôle. On va essayer de leur lancer une petite grenade dans la tronche. Je crois que c'est raté. Ouais. Dommage, j'aurais voulu essayer quand même. Ah, bon, j'ai quand même eu celui qui était le plus loin.
Hop, voilà, on fait tout péter. Voilà, le ménage est fait. Mais tu pourras peut-être l'alimenter de la salle de contrôle, au-dessus de toi. Ouais. Donc voici ce qu'on va devoir emmener à la tour Tesla, hein. On voit les rails voilà, qui va l'amener jusqu'à là-bas, sauf que bien sûr à cause des débris, on peut pas. Il y a de gros débris sur les rails. Donc justement, on va devoir déjà alimenter ceci. Ouais, voilà, bah le noyau tout simplement. Et donc pour ça, on va devoir aller dans la salle de contrôle. Donc on va grimper. Et là, attention. Calme, Zip. Elle a dû prendre un casque pendant qu'elle saccageait ton bureau. Voilà, donc nous avons Amanda qui parle tranquillou avec le même canal, on va dire le même canal privé qu'à Zip et Alistair et Lara. Sauf que bien sûr, quand Amanda est venue faire un petit tour chez Lara, on avait appris ça à la fin du Ghana, bah, elle avait un peu foutu la pagaille. Hein. Elle a quand même bien changé, cette Amanda. Eh bien, pas plus que ça, en fait. Alors, on va faire péter ceci. Et ça les a détruits. Alors, ne fais pas n'importe quoi, Lara. Je te renvoie le conseil. Mais moi, je sais comment procéder. Alors, tu as appris le russe depuis qu'on s'est vu, Amanda ? Raccroché. Mais c'était quoi son délire ? Je suis sûre qu'elle fait ce qu'elle peut pour récupérer le fragment d'épée. Mais elle veut éviter de tout détruire en essayant. En gros, elle veut essayer de reproduire la même expérience qu'il y a 50 ans, celle qui a tout fait péter ici. On va voir si c'est vraiment une bonne idée. Alors là, on a encore un cadavre là-bas, c'est super. Encore un scientifique malheureux. Il a écrit qu'au moins une dizaine de ses collègues sont morts au cours de l'expérience. L'artefact a transformé le courant Tesla en autre chose. Une sorte d'onde de choc. Il fallait s'y attendre. Mais pourquoi ont-ils abandonné le projet ? Ils n'ont pas voulu renouveler l'expérience, et quand le KGB a essayé de les persuader du contraire, les choses ont mal tourné. Eh ben dis donc. Alors, un petit levier. Grâce à ça, on va pouvoir à commencer à alimenter le noyau. Donc vous voyez, hein, sous la puissance du truc, ça va faire carrément dégager les débris. Hein, donc maintenant, ça ne nous fait pas peur. Et comment est-ce que je le déplace si je ne peux pas le toucher ? Ben, on va se servir de notre grappin, bien sûr. Ah, je me suis blessé, d'accord. Pourquoi pas. Bon, bah maintenant, bah, c'est parti. On va traîner ce truc-là jusqu'au bout de la salle. Voilà, elle a failli prendre cher. Enfin, je sais pas si on peut se faire tuer à cause des débris. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Là, il est vraiment chargé à fond le truc. Là, par contre, à partir d'ici, il va se déplacer tout seul jusqu'à la tour. Donc maintenant, bah, on a juste à le suivre sans être, bien sûr, trop près. Parce que sinon, Lara va le sentir passer. Hein. Sauf que, bien sûr, en passant, on avait vu qu'il y avait des câbles. Et bah, ils vont être alimentés, ces fameux câbles. Donc là, on va devoir... Non, c'est pas ça que je veux faire. On va devoir, voilà, les faire balancer avec notre grappin pour qu'on puisse passer sans se faire électrocuter. Pour l'instant, ça va. C'est surtout après que c'est chiant parce qu'il y en a deux. Un de chaque côté. Donc là, faut les balancer les deux, sinon ça suffit pas. Hop. Encore une fois. Et on se brouille. Voilà. T'inquiète, Zip. Et maintenant, on n'a plus qu'à ouvrir cette porte et la tour Tesla va pouvoir être alimentée. Voilà. Ouais, c'est magique. On va pouvoir aller se servir du canon maintenant. Alors, vous allez voir, ça va être le bordel. Hein. Boum, voilà. Il y a tout qui s'envole. Il y a même les portes qui déconnent. Enfin, c'est la magie. Alors, justement, on va passer par là et on va découvrir un petit quelque chose sympa. C'est parti. C'est un bouclier, 10e ou 11e siècle, sûrement trouvé avec la relique qu'on cherche. On dirait les armoiries de Lancelot, non ? Si le bougre avait existé, oui. Tiens, tiens, et ça ? On dirait une carte. Étudiez-la bien et tenez-moi au courant. À quoi ça servait ? Peut-être l'itinéraire de retour du chevalier ? Ou alors il en possédait plusieurs morceaux. Bouclier de Lancelot, c'est pas mal. Trouver ça au Kazakhstan. En tout cas, ça va nous être utile pour après. Encore un cadavre, décidément. Comme les autres. Nous avons trouvé d'autres reliques mineures à l'époque. Le pauvre diable ne trouve personne pour lui donner du cœur. Franchement, je compatis, mais pourquoi ce manque d'intérêt ? C'est
fait trop contemporain pour une autre sérieuse. Il semble dater des premiers millénaires de notre film. Excusez-moi, mais j'ai raté quelque chose. L'artefact que nous cherchons, il est si vieux que ça. Vu que tu ne penses. De toute façon, on aura plus en plus de réponses là-dessus. Hein. Et en tout cas, effectivement, l'épée qu'on recherche semble assez vieux. Bon, maintenant, on va faire mumuse avec le canon. On se fait tirer dessus, mais c'est pas grave. Hein. Du coup, on va attirer la plateforme. Mais on va pas la mettre directement, en fait, sur le gouffre. On va l'amener... Alors, faut bien viser le truc en haut. Voilà, on va bien le foutre à droite. Ça va nous servir, en fait, à récupérer le trésor d'or. Alors, je suis sûr que ça sert à rien. On va ensuite dégager ces petits cubes. Alors, on va s'en servir pour ensuite grimper là-haut. Vous savez quoi, on va envoyer des petits bidons dans la gueule des soldats. Wouah, c'est tellement violent. Mais j'adore, moi franchement j'adore. Attention, le deuxième. Mais c'est tellement hardcore. Le troisième. Ah, il a survécu. Je crois qu'il y en a d'autres, ouais. Donc on a quand même des droits à l'erreur, c'est sympathique. Alors là par contre il a volé. Il a tellement pris cher. Alors maintenant on va mettre des petits blocs. Ah alors j'attends que ça se stabilise. On va les plaquer. Les placer, pareil. Hein. Face du mur, c'est pareil. Hop. On va peut-être en mettre un troisième au cas où. Voilà, faut y aller doucement. Et bah ça m'a l'air pas mal tout ça. Et voilà, tout ça juste pour récupérer un trésor d'or. Hein. Mais celui-là quand même fallait le trouver, hein, parce que je trouve qu'il fait partie des mieux cachés donc, quand même dans ce jeu. Là fallait quand même y penser. Le rat passe à travers la corde, c'est magique. On va ensuite sauter ici, puis ici. Et là, bah on n'a plus qu'à se balancer jusqu'à la petite cachette. Et nous avons donc tous les trésors. Oula, magnifique bug. Magnifique frise surtout, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, bah, nous n'avons plus qu'à suivre Amanda. Mais, ah zut. Excusez-moi. Ensuite, voilà, on n'a plus qu'à faire glisser les plateformes, c'est pas bien compliqué. Là, on va quand même bien sûr se baisser. Non, on va pas reculer, on va se baisser. Ça va pas être très utile sinon... Ensuite on fait encore péter ce, voilà, tout ce qui gêne, et là on va sauter pour aller dans la dernière salle du niveau. Amanda, je regrette toute cette histoire, mais nous pourrions encore... Arrête ce nous, Lara, il sonne faux. J'étais seule là-dessous. Seul, avec ça. Tu te rappelles? Je l'ai prise, et elle m'a adoptée. Ce n'était pas une très bonne idée. Je l'ai domptée. Je l'ai faite mienne. Oh, mon Dieu! Amanda! Un peu plus amical, Lara, tu ne dis pas? On s'amuse bien ensemble. Tu es folle? Elle a tué nos amis, Amanda. Elle a voulu nous tuer. Mais elle m'a sauvée une fois domptée. J'ai ouvert les yeux, j'ai su évoluer. Mais à ta place, je l'éviterai. Elle est parfois un peu susceptible. Bon, bah Amanda, c'est une grosse puce, hein, définitivement. On comprend mieux maintenant comment elle a survécu après s'être fait coincer hein, dans le temple au Pérou. Maintenant, on se retrouve du coup devant la même entité que dans le flashback au Pérou, hein, sachant que maintenant, Amanda l'a effectivement adopté. Enfin, c'est plus l'entité qui a adopté Amanda. Hein. Mais bon, voilà, maintenant, elle peut s'en servir à volonté, grâce au petit artefact qu'elle avait récupéré. En tout cas, nous, alors, on peut pas considérer ça comme un boss, hein, parce que de toute façon, si vous tirez sur l'entité, ça ne lui fait rien, il est invincible. Du coup, bah nous, on va juste activer du coup les 4 leviers qui vont en fait rétracter les sortes de pinces au plafond. Donc là, on en est déjà au 4e. Donc en faisant ça, ça va faire descendre le morceau d'épée qui se trouve là-haut, ainsi que 4 gros machins. Donc bien sûr, il y a une sorte de bouclier hein, pour qu'on puisse
pas le récupérer, c'est trop facile. Du coup, bah, pour désactiver ceci, on va prendre un autre canon Tesla, et puis on va pousser ceci. Voilà, contre les arcs électriques, ce qui va provoquer en fait un espèce de champ de force électrique. On fait ça vite, hein, parce que sinon, voilà. Et ensuite, on récupère le morceau FISA. Voilà, donc ça nous fait un troisième morceau d'épée, hein. Bien sûr Amanda s'est barrée, mais bon, de toute façon, maintenant on sait qu'elle est définitivement notre ennemi, c'est quand même bien triste, hein, tout ça. Et donc, grâce au bouclier qu'on a trouvé dans le labo tout à l'heure, on a vu, Alistair en tout cas, a analysé la carte, et apparemment le lieu où elle mène, c'est en Cornouailles, donc pas très loin de chez Lara au final. Donc c'est là-bas qu'on va devoir récupérer le dernier morceau d'épée. Et puis là-bas, on découvrira aussi pas mal de choses à propos de cette relique et autour aussi de la légende du roi Arthur. Ça va vraiment être pas mal, parce qu'en plus il s'agit de mon niveau préféré, en tout cas dans ce jeu. Du coup, on fera ça la prochaine fois, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager comme d'habitude. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de Tomb Raider Legend. Allez, salut tout le monde !